Hey, salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un contrat, alors pas un contrat exotique, mais un contrat de l'avant-garde qui est donné par Xander. Il s'agit du contrat où il faut réaliser 20 doubles éliminations au fusil à fusion. Donc vous avez été quelques-uns à me dire que c'était la galère, que vous preniez jamais ce contrat parce qu'il était trop difficile, alors qu'il y a une astuce hyper simple à connaître et hyper rapide. Donc j'avais envie de vous la faire partager. Je vous donne ma méthode à chaque fois que ce contrat tombe. Donc je vais sur la lune et je choisis la première mission, à savoir les ténèbres extérieures. Je suis la mission, la progression de la mission jusqu'au moment où on me demande de réanimer le spectre d'un soldat mort au pied d'un temple. Et une fois que je suis à cette étape-là, je ne franchis jamais le temple. Donc je vais me positionner entre les deux rochers et je vais attendre que les portes s'ouvrent et qu'une masse d'esclaves se présente en face de moi, qui courent comme des fous, comme des soldats. Et là, je vais tirer au fusil à fusion dans le tas d'esclaves. Donc je perds pas de temps avec les ennemis jaunes. Je tire vraiment uniquement dans les esclaves et je vais avoir besoin de mourir juste deux fois pour réaliser ce contrat. Donc c'est vous dire comme c'est efficace. En une seule fois, je peux réaliser une série de 10 doubles éliminations d'esclaves. C'est relativement facile, relativement efficace. Bon, si jamais vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à la faire partager en commentaire. Mais je pense vraiment que c'est la méthode la plus efficace pour ce contrat du fusil à fusion. Et voilà, c'est tout pour cette petite astuce. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager si vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces sur du Destiny. Ciao, ciao !